Chose promise, chose due, voici une nouvelle vidéo dans la thématique des objets connectés. Aujourd'hui, on va voir comment transformer ce simple circuit sur breadboard composé d'un DHT11 et d'un relais, avec la fameuse rallonge que tu connais déjà, en un véritable objet connecté avec un dashboard grâce à la plateforme Arduino IoT Cloud. Allez, c'est parti! La première chose à faire est d'aller sur le site d'Arduino. Donc, on va dessus, Arduino. Hop. Dès que tu arrives sur le site, tu switches ici sur l'interface IoT Cloud. Donc on te demande de te connecter. Si tu as déjà un compte, tu te connectes. C'est le même compte pour tous les services Arduino. Sinon, tu en crées un. Tu peux également te connecter avec Google, GitHub, Facebook et Apple. Donc je te laisse faire ça et on se retrouve juste après. Dès que tu es connecté, tu fais Create Thing. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va configurer la carte qu'on va utiliser. On peut utiliser toutes les cartes Arduino qui ont une connectivité Wi-Fi, LoRaWAN ou réseau mobile et les cartes ESP8266 et ESP32. Là actuellement, je n'ai pas de carte Arduino qui me permettrait de faire de l'IoT. Je vais donc utiliser la même carte que dans la dernière vidéo, à savoir la carte Wemos D1 Mini. Donc c'est une carte ESP8266. Pour cela, je choisis ici que je vais utiliser une carte tierce. Donc, je choisis ESP8266. Je vais sélectionner le modèle Wemos D1 R2 Mini. Voilà. Et je fais Continue. Ça me génère un nom pour ma carte. Donc, je peux changer. Mais on va laisser ça comme ça. Linéa. On n'aura de toute façon qu'un objet connecté. Donc, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je fais Next. Et voilà. Donc, ma carte est créée. J'ai mon ID, j'ai la clé secrète. On me conseille de télécharger le PDF avec les infos. C'est ce que je vais faire. Voilà, j'ai téléchargé le PDF. Il est ici. Donc, j'ai l'ID, j'ai la clé secrète. Donc, je dis que j'ai tout enregistré et je fais continuer. Dès qu'on a configuré notre carte, on peut créer nos variables. En réalité, il n'y a pas vraiment d'ordre. J'aurais pu commencer par la création des variables et puis que j'aurais pu configurer la carte par la suite. Je clique sur ajouter variable, donc dans mon cas j'aurai trois variables, donc j'ai un capteur DHT11 qui va me fournir température et humidité, donc ça me fait deux variables, et puis j'ai un relais qui va me permettre de déclencher un appareil électrique, j'aurai donc également une variable relais. Donc on va créer température. Hop. C'est comme la création d'un entier ou d'un float dans un programme classique, sauf qu'ici, certaines choses auront un type de variable un peu spécifique. Donc, c'est le cas de la température. Donc, tu vas le voir quand je vais choisir. Voilà. Donc, ma température, c'est une variable de type Cloud Temperature Sensor. Et puis, il faut choisir si on souhaite actualiser la valeur à chaque changement ou de manière périodique. Donc, moi, je vais laisser ce qu'il y a par défaut, c'est-à-dire actualiser la valeur à chaque changement. Ça ne sert à rien de récupérer la valeur si elle n'a pas changé. Je crée ma variable température, voilà. Je rajoute une autre variable qui sera mon humidité, humidity. Hop. Je crée, ça sera uniquement en lecture l'accès, et puis à chaque changement pour l'actualisation. Voilà. Pour le relais, je vais juste créer une variable de type booléen. Donc, relais. Hop. Juste un booléen. Voilà. Et je choisis read-write parce qu'on va actionner le relais. Et puis ici, je laisse la même chose. Je crée. Et voilà, j'ai mes trois variables. Dès qu'on a créé nos variables, on peut configurer le réseau. Donc, cette étape est inaccessible tant qu'on n'a pas créé les variables. On va sur la configuration du réseau juste ici. Donc on spécifie le nom du réseau Wi-Fi, le mot de passe et la clé secrète. La clé secrète, c'est ce qui avait été obtenu à la première étape. Donc lorsqu'on a configuré notre carte, on a reçu une clé secrète qu'il faut copier juste ici. On arrive à l'étape la plus cool, c'est-à-dire la création du dashboard. Donc l'interface qui va nous permettre de visualiser les données et contrôler les éléments de notre objet connecté. Donc pour cela,
tu vas sur Dashboard, tu fais Build Dashboard. Comme tu peux le voir, on peut créer plein de widgets différents. On a des switches, on a des boutons poussoirs, on a des sliders, on a des fenêtres de messages, on a des jauges, on peut même créer un graphique. Bref, bref, plein de trucs intéressants. Moi, je vais choisir une jauge pour la température. Voilà. Je vais prendre pourcentage pour l'humidité. Hop. Et un switch pour le relais. Voilà. Dès qu'on a choisi les widgets qui nous intéressent, il faut les lier aux variables créées précédemment. Donc pour cela, tu vas sur ton widget, tu fais Edit Settings, et puis tu vas sur Linked Variable. Voilà. Donc là, on va mettre la température. Voilà. On va link la température. Donc pour l'instant, il n'y a rien, c'est normal. Pour le truc de pourcentage, on va mettre l'humidité. Hop. Et puis pour le switch, on va mettre le relais. Le relais, voilà. Tous les widgets ne sont pas compatibles avec tous les types de variables. Donc je ne sais pas si tu l'as vu, mais quand j'ai sélectionné la variable pour la jauge, je ne pouvais pas choisir le relais. Ce qui est tout à fait logique, car c'est un booléen. Par défaut, tous les widgets n'ont pas la même taille. C'est un peu moche, mais on peut changer cela en allant juste ici sur Arrange Widget. Et on peut étirer, hop, celui-là, on va le mettre là, hop, voilà. Comme ça, ils ont tous la même taille, et puis j'appuie sur Done, et voilà, c'est parfait, beaucoup mieux qu'avant. La création des variables et des widgets dans le dashboard va générer le squelette du code, mais il ne faut pas croire, il faudra quand même coder toute la logique. J'ai par exemple spécifié que j'ai une variable température, mais la plateforme ne peut pas savoir quel capteur de température je vais utiliser. C'est donc à moi d'inclure la bibliothèque et toute la logique liée à la prise de mesure. L'avantage ici, c'est que toutes les bibliothèques sont déjà préinstallées, il faut juste les inclure. Donc pour accéder au code, on va sur Things, hop, et puis ici sur Sketch. Et c'est ça qu'il faudra compléter. Je fais tout ça et on se retrouve juste après pour les explications. A few minutes later. Donc voilà pour le code. Donc j'ai rajouté la bibliothèque DHT. J'ai déclaré mes pins. Donc mon relais est branché sur la pin D7. Ça correspond au GPIO 13. Et mon capteur DHT 11 est sur la pin D5. Ça correspond au GPIO 14. Donc je crée mon instance DHT en spécifiant la pin et le type de capteur. Donc moi c'est un DHT 11, mais il y a aussi le DHT 22. Ensuite dans le setup, je déclare mes deux pins en sortie. Tout ça y avait. Ici je commence la communication avec mon capteur DHT. Tout ça y avait aussi. Il y avait déjà une fonction onRelayChange. Donc j'ai rajouté ce qu'il y a à l'intérieur. Donc dès que mon switch on-off du relais est activé, je mets la pin à laquelle est branché le relais à l'état haut ou à l'état bas, en fonction de la position du switch. Ça, c'est une fonction que j'ai rajoutée moi-même. Donc, on lit la température et l'humidité, et on stocke les valeurs dans les variables température et humidité qu'on avait créées. Et j'appelle cette fonction dans le loop, ici, pour pouvoir actualiser les valeurs. Comme dans l'IDE, on peut vérifier notre code. C'est ce qu'on va faire pour voir si j'ai pas fait d'erreur. Ça vérifie. Donc voilà, il n'y a aucune erreur dans mon code. Quelle chance. D'habitude, il y a toujours des erreurs lorsqu'on vérifie la première fois. Pour téléverser le code sur la carte, il faut qu'on installe un petit logiciel qu'ils appellent Create Agent. Donc on va juste ici. Hop, on va télécharger tout ça. Voilà, on va l'installer. Dès qu'on a installé le petit logiciel et qu'on a connecté la carte sur l'ordinateur, elle est automatiquement détectée. Donc on me dit que j'ai une carte sur le port COM3. Donc là, je vais pouvoir uploader mon code sur la carte. Donc c'est ce qu'on va faire. On me dit que mon code a été uploadé avec succès. Maintenant, si tout va bien, si je vais sur Dashboard, je devrais voir ma température
et mon humidité. Voilà. Donc 28 degrés, 26% d'humidité. Et puis j'ai mon switch on-off ici qui devrait allumer ma lampe. Voilà. J'allume ma lampe, j'éteins ma lampe, j'allume ma lampe, j'éteins ma lampe. Jour, nuit, jour, nuit. Le dashboard qu'on a créé, on peut y accéder à partir de l'ordinateur, mais il existe également une application mobile qui s'appelle Arduino IoT Cloud Remote qu'on va tester tout de suite. Donc je vais sur le store. Donc moi je l'ai déjà, c'est celle-ci, Arduino IoT Cloud Remote. Je l'ouvre. Donc je dois me connecter. Et normalement, j'aurai accès à la même chose que sur l'ordinateur. Voilà. Donc on voit la jauge avec la température. On voit l'humidité. Et ici, on a le switch pour la lampe. Pour cette vidéo, j'ai utilisé la version gratuite d'Arduino IoT Cloud, mais il faut savoir qu'il propose également plusieurs offres payantes qui permettent de virer certaines limitations ou de rajouter quelques fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple la possibilité de pouvoir mettre à jour son code à distance ou de partager son dashboard avec d'autres personnes. Bon, ici, c'était pas utile, la version gratuite, c'était plus que suffisant. Mais au moins que tu sais que c'est pas totalement gratuit si tu veux faire des choses beaucoup plus avancées. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je compte sur toi pour me laisser un like et un petit commentaire. Tu peux également t'abonner à la chaîne et nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc tous les liens se trouvent dans la description. Moi, je te dis à la prochaine. Allez, ciao !